peu en retard. Ah oui? Dis-moi, comment elle va? Oh, tu sais, tu la connais. Quand elle déprime, elle est complètement hystérique. Je crois qu'on a bien fait de l'inviter à déjeuner. J'espère que tu lui as dit que ça venait de toi. Hein, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je veux l'aider, je sais pas, mais elle est toujours sur la défensive. Oh, Anna, elle est tout simplement complexée devant toi, c'est tout. Et toi, comment tu vas? Oh, moi, ça va. Frédéric te manque? Non. C'est quand même pas croyable qu'Eliott et moi, on n'arrive pas à trouver un type bien. Comment tu vas? Je veux dire, comment ça va chez toi? Comment va Frédéric en fait? Eliott? Il va bien. Enfin, je crois qu'il va bien. Je sais pas, il est un peu lunatique ces derniers temps. Vraiment? Depuis quelques mois. Oui. Je sais pas ce qu'il a, il est un peu distant, il est pas facile. Oh. J'essayais de lui en parler, mais il dit que tout va très bien. Alors, tu sais ce que c'est, automatiquement, on envisage le pire dans ces cas. Quoi, par exemple? Je sais pas, qu'il y a une autre femme dans sa vie. Mais non, enfin, je veux dire, on s'imagine tout ça. J'arrive tout droit de mon audition. Et j'ai pas été retenue. Oh. Alors, il y a rien de neuf. Ils ont décrété que j'avais un look marginal. Hein. Qu'est-ce qu'ils en savent ce que ça veut dire. T'es gentille. Oh, devinez qui passait aussi l'audition. April? C'est pas vrai. Exact, j'ai été super polie. Hein. Un sang-froid imperturbable.